Je vais passer la parole donc, à François Bordon, qui a lieu de Paris, en fait, l'auteur, et qui est rattaché au Centre d'histoire de Sciences Po. Il travaille également pour l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Sa présentation portera sur la gauche hétérodoxe et la réception d'Orwell en France et des livres en France. Merci. I'm sorry, I will speak French. Donc, pour parler de la gauche hétérodoxe et de la réception d'Orwell en France à l'aube de la guerre froide, je vais commencer par quelques remarques générales. En 1984, Claude Lefort écrivait que l'œuvre d'Orwell avait été victime en France de trois censures. L'une voulait ignorer le stalinisme, l'autre rêvait d'oublier que une intrigue de 1984 se situait à Londres. Une dernière, enfin, déniait à Orwell la stature de grand écrivain et mettait donc en cause son art. Il serait cruel qu'au moment où il devient enfin possible de lire et de connaître l'ensemble de l'œuvre d'Orwell en français, une nouvelle censure ne s'installe insidieusement en transformant l'écrivain politique en une sorte d'imago. Si depuis une quinzaine d'années, l'œuvre d'Orwell est devenue une référence centrale pour des intellectuels comme Bruce Bégou, Jacques Levitt, nous avons écouté hier, Jean-Claude Michéa, Jacques Prosard aussi, que nous avons écouté hier, ou Jaime Semprún, si, grâce aux éditions Ivrea et à l'Encyclopédie des Nuisances et aux éditions Avon, l'œuvre d'Orwell est désormais largement accessible au public français, Orwell reste une idole intellectuelle, une figure, un nom que l'on répète, un symbole que l'on brandit selon ses propres convictions, anticapitaliste, anticommuniste ou antitotalitaire. L'icône Orwell a longtemps caché l'œuvre, l'écrivain, le moraliste, le socialiste antistalinien. Beaucoup de murs de Paris, et apparemment de Seattle, et si j'ai compris de lui aussi. Beaucoup de murs de Paris portent la trace d'un 1984 tracé à la bombe de peinture par Dagil Graver. Présent dans le débat intellectuel, l'imago Orwell est aussi présent dans l'espace urbain et sur la toile de l'araignée interprète. Un grand écrivain est certes souvent victime des mythes qu'il a créés. Et comment expliquer cette soudaine prolifération d'Orwell en France, l'apparition d'une sorte de vulgate orwellienne fondée sur une interprétation pendant l'affaire de la Common Decency et une théorie? Comment expliquer le culte nouveau voué au mal de l'écrivain anglais? Je pense qu'Orwell est devenu donc une sorte d'imago, une projection fantasmatique. Le visage de l'écrivain anglais se confondait alors avec l'image inconsciente d'un être perdu, d'un penseur de gauche pur et adorable au sens étymologique, c'est-à-dire que l'on peut adorer et prier dans l'espoir de retrouver une explication du monde. Nous avons là, je crois, un élément de compréhension du succès récent d'Orwell en France. Ce retour de flamme parle beaucoup aussi de la gauche française, qui, pendant des décennies, a ignoré ou voulu ignorer Orwell et tous ceux qui furent en France proches de ses positions hétérodoxes. Dans les décombres que nous a laissés le XXe siècle, la redécouverte présente d'Orwell peut servir de planche de salut, d'occasion de retrouver et de refaire du sens. Et c'est précisément là que le risque de retournement est le plus grand. Le risque de transformer la planche de salut en table de la loi, en radeau d'Amibus ou en déduit d'interprétation. Contre une telle tentation, il est nécessaire de répéter que George Orwell n'est pas un théoricien, Orwell est un écrivain. La visée politique est certes, naturellement, pour lui, une raison d'écrire, mais c'est une raison parmi d'autres. À égalité avec, je cite, le pur égoïsme, l'enthousiasme esthétique et l'inspiration historique. Complexe, contradictoire, l'œuvre d'Orwell est par essence hétérodoxe, rebelle à toute discipline politique. En cela, on a pu dire qu'il était anarchiste, on en a parlé hier, mais c'est une facilité de langage. La réalité est qu'il fut socialiste, un socialiste hétérodoxe, peut-être animatique, anticommuniste, libéral au sens du XIXe siècle et conservateur, sceptique et fervent, anti-idéologue.
Dans Les écrivains et le Léviathan, il écrivait que la participation d'un écrivain à l'action collective ne signifiait pas adhésion à une idéologie. Ce qui compte, c'est la liberté d'esprit. C'est, je cite, maintenir inviolée une part de soi, penser sans crainte et dire ce que l'on pense. Pour défendre cette liberté, Orwell ne se fie jamais aux théories politiques, encore moins aux organisations partisanes. Il fait confiance à la langue, au pouvoir de l'électorat. Donc aujourd'hui, dans l'actuelle prolifération de l'insignifiant, dans la spectaculaire reconnaissance de la figure d'Orwell, le patient travail de lecture et d'interprétation et de publication d'Orwell, les enquêtes minutieuses que peuvent faire les historiens et les philosophes avec leurs modestes moyens, restent une évidente nécessité, comme le montre abondamment ce poème. Je vais essayer, à mon échelle, maintenant, d'apporter quelques éléments sur la réception d'Orwell en France à l'aube de la guerre froide, c'est-à-dire de 1945. À 1948. J'espère ainsi éclairer un peu cette énigme que constitue la situation longtemps faite en France à cette œuvre majeure. Alors, existe-t-il un courant Orwellien en France ? Orwell, cette grande conscience politique du XXe siècle, a longtemps été méconnue en France, son œuvre fut le plus souvent réduite en 1984. Ce n'est qu'à partir du moment antitotalitaire des années 1970 et début des années 80, et du chantier éditorial lancé par les éditions Champ Libre, que la situation d'Orwell se développe réellement en France. Il faut donc repartir de ce moment-là. Le début des années 80 avait vu l'apparition de nombreux essais, de colloques et de numéros spéciaux de revues autour de l'année 1984, l'impratable année 1984, et Joseph Gabel parlait alors d'une nouvelle jeunesse d'Orwell.